Et bonjour Internet, bonjour les petits canards, ainsi Kazamena, sur Wakfu, suite de mes aventures, il est temps de se fumer des bonhommes en plein combat contre des membres du culte. Pourquoi, comment, avec qui, où suis-je? Tout simplement pour une petite quête. Putain, ils ont beaucoup de PV, ces salauds. Tout simplement pour une quête de zone qui s'est lancée. Je dois fumer 5 pilleurs du culte. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont quand même assez costauds. Je me suis peut-être un petit peu enflammé, mais bon, c'est pas grave. Je ne sais pas où est mon... Ah, mais j'ai tapé sur mon scoreur, quelle tête de bite. Ah, on pouvait pas faire mieux. On pouvait pas faire mieux. Là, vous avez le droit de vous moquer de moi. Avec toute la délicatesse que je vous connais, j'ai quand même enlevé des PV à mon scoreur. C'est ridicule, mon petit casse, tu commences très bien cette vidéo. C'est le pire début de combat que j'ai jamais fait. Depuis un certain temps, en fait, j'ai pas reconnu mon scoreur. C'est vrai que je joue depuis très peu avec des... avec mes mercenaires et je les prends pour les ennemis. Quel beat je fais. Bref, c'est pas grave, on se concentre un petit peu. Donc, dans les derniers épisodes, qu'est-ce qui s'est passé? Mes petits bouchons, il s'est passé que... il s'est passé que, apparemment avec une mise à jour, il a fallu que je refasse tout mon build. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave, j'ai bien rigolé. Que je refasse mon build et surtout, il y a eu apparemment pas mal d'ajouts niveau quête. Tiens, il me saoule lui, trop près de moi. Pas mal d'ajouts niveau quête, notamment en ce qui concerne l'acquisition de la nation, etc. J'ai pas mal de quêtes là qui m'intéressent, qui vont sûrement m'aider à comprendre un peu mieux ce que je dois faire une fois que j'ai choisi ma nation, que j'ai mon passeport. Bon, heureusement qu'ils sont lents, par contre la quête là elle va pas m'attendre des heures, donc il faut que je m'excite un petit peu le mou pour les fumer. Je vais rester là, comme ça j'ai une vision d'ensemble sur le plateau. Alors mon chevalier d'Astrub, il va se faire coincer, faut qu'il se réveille un petit peu. Voilà, mais il fait pas de dégâts, donc il fait des dégâts de moule. Hop, tu vas aller par là. Voilà. Puis mon scoreur, il sert à rien aussi, au niveau dégueulasse. Mais bon, c'est... il fait toujours quand même quelques petits dégâts. Ça peut servir. Allez, on lui met ceci. Ah, lui j'ai le fumé normalement, il n'y a pas de raison qu'il ne meure pas. Combien de temps il me reste sur la quête? Plus que 5 minutes 42, donc il va falloir se bouger le fion, mon petit Kaz. Mon petit Kaz, je bouge le fion. Toi. Merci. Toi. Ah, le salaud, quoi, t'es pas mort? C'est quoi cette histoire? Allez, on va avancer. Fais chier ça. Il lui reste combien? Sans foirer? 4 PV. Alors, bonus s'applique en basement. Ajoute plus 20 PV max. On va se mettre là. Et on va lui faire ça. Comme ceci. Allez, faut que je me bouge le fion là. Il me reste plus que 5 minutes. Hein. Je rappelle, pour pouvoir faire la quête des cultistes. Merde, ça c'était nul. Si t'as d'autres trucs nuls à faire comme ça, mon pote, n'hésite pas. Allez, c'est bon, il m'en reste encore 3 à tuer en moins de 3 minutes. On se bouge le fion. Excusez ma vulgarité, mais là, fini de tergiverser. Allez, toi, débrouille-toi un peu, j'ai pas que ça à faire. Oui, merci. Merci, très bien, voilà. Là, là, là. Ah, on va se déplacer. Allez, 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 on le fume celui-là, on le fume. Je me déplace un petit peu comme ceci, j'aurai une vue d'ensemble. Ça sert les PV. Allez, on enchaîne. On est motivé. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, jet de magma, moins 11. Pourquoi je peux pas le toucher? Si, je peux. Allez, voilà, ça, ça fait mal. Ça, c'est utile. Ça, c'est bien joué. Allez, le gars, il se promène. C'est à moi, là, je le fume. Salaud. Voilà. Allez, reste plus qu'un. On s'énerve pas.
On lui fait comprendre que c'est pas lui le chef. Voilà. C'est sympa de jouer avec les mercenaires quand même. J'aime bien. Allez, on enchaîne, on se dépêche, on s'en fout. Voilà, c'est bon. Il m'en reste plus qu'un à tuer. Il reste 3 minutes, ça va le faire. Mais il faut les trouver. Il y en a un là, c'est excellent. On l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne. On perd pas de temps, 3 minutes pour flinguer, il est tout seul. La position sur le plateau, on s'en bat les... C'était cool, mes amis. On le crible, on l'enflamme. Je me mets là. Et les, restes vont et les autres vont faire le reste sans problème. Le jet de magma est plutôt intéressant avec le scoreur. Sauf que là, j'ai un petit peu craqué mon slibar. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est une chose qui arrive. Hop. C'est bon, on finit là direct. On parle plus. Bon. Un petit jet de magma. Pour le rappeler à l'ordre. Ce petit garçon. Comme ceci. Voilà, ça c'est fait, 2350 de pex, c'est quand même non négligeable. Très bien, très très bien, je suis content. Ça c'est fait, j'aime pas rater des quêtes. Alors, faut pas oublier que j'ai des aptitudes à négocier sur mon perso. Points à répartir. 6, 5, 5, bon, j'ai beaucoup de points à répartir, dis donc. Intelligence. Ah bah oui, il y a eu un Eurostat, un respect, un... Bon bref. Pourcent de vie, une résistance, allez, ça peut servir. Barrière. Je sais pas ce que c'est que la barrière. Soin reçu. Pourcent de la vie en armure. Pourcent de la vie en armure. Allez, point de vie, résistance. Barrière. Soin reçu. Un petit peu en mode balance. Ensuite, dégâts, c'est très bien ça. Plus 1 dégâts. Encore un plus 1 dégâts mais de cible. Dégâts zone non, dégâts de melee 9. Dégâts distance haute, c'est excellent. Ah, ça c'est quoi? Ça va être plutôt des dégâts de tous les éléments, c'est bien. Point de vie, ça me sert pas vraiment. On va monter les dégâts à distance comme ceci. Ça, ça fait mal. Ça, ça pique. Ensuite, agilité. Tacle augmente votre agilité à maintenir un adversaire en contact. Et esquive, ça c'est bon ça. Hop, initiative, ça c'est bon aussi. Ouais, retrait PAPM. En résistance au PAPM, ça c'est bien. Quand je me fais tacler, pour éviter de perdre trop de points. Et ensuite la chance, coup critique, ah j'adore. On va monter, coup critique, par dégâts des coups critiques. Et on va le laisser en balance comme ça. Très bien. Hop, et mes autres, les affreux, non, y a rien à faire pour eux. Très bien, c'est pas grave. Ça marche comme ça. Excellent. Est-ce que j'ai des items supplémentaires depuis? Non mais j'ai plein de merdailles. Clé de tofu l'allier. Je connais pas. Le sang, des plumes, la dague Pew. Je pourrais peut-être équiper un de mes... Voilà. Je vais équiper mes bordels avec. Ça peut pas leur faire de mal. Hein, vu qu'ils ont rien, on va leur équiper ça. De l'argile, ça se vend. Beg, puis tiens, une autre clé. Ça, c'est tous ces donjons, je ne sais absolument pas où ils sont. Alors, une cape verte. Qu'est-ce que j'ai, moi, de beau, les amis? Oh, ma cape. Oui, non, ça sert à rien pour moi, hein, mais on va pouvoir la mettre sur mon chevalier d'Astrub. Peut-être, est-ce qu'il porte des capes, chemise, coup, cap? Mais oui, il porte des capes. Tiens, mon pote, prends ta petite cape. Allez, hop, et puis encore un casque. Pareil, j'ai beaucoup mieux. Oui. Hop, tiens, prends ton casque. T'es beau, tu ressembles à rien. Une cape de mercenaire. Pareil. Ah bah non, on va plutôt lui mettre à lui. Et le score, il va prendre la cape. Voilà, des plumes, des machins. Ok, c'est bon, tout le monde est paré. Prendre le bateau depuis Astrub vers l'avant-poste de votre nation. Et ben on y va. Là, laissez-moi ramasser les dépouilles. Lucario vous invite à rejoindre son groupe. Non, Lucario, laisse-moi tranquille. Je ne te connais pas. Sale bête.
suis Fokia, on va prendre le bateau. Bonjour, je vais retourner à la maison. C'est parti! Ce trajet coûte 0 kama, et bah tant mieux, ça me rassure, ça m'arrange. Alors, parlez au guérant de votre nation dans l'avant-poste. Il doit se trouver dans le coin. Hein. Zap, banque, village. Quel peut être l'icône du guérant de nation? Je sais pas ce que c'est qu'un guérant. Ville aussi Fokichia, Lago Express, Phoenix, Zap, banque, taverne. Comptoir des mercenaires. Jardin suspendu. Ça c'est bien l'avant-poste. Village de Sufokia. J'ai rien d'autre qui ressemble à un gros bouton de quête. Quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Bon, il doit être dans le coin. Le Géror. Pas le guérant dans votre nation dans la map boss. Au pire, c'est pas ça le guérant. Ah bah si, le guérant c'est ça, le gros chef. Maison de Sufoka. Géror là le vin. Ok. Dans son territoire, ils ont parlé. Eh salut Pichonnet, la pêche. Faites de moi le héros de cette nation. Alors comme ça tu veux devenir un héros pour pouvoir partir sur le mont Zénith, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Non, est-ce que tu peux être drôle, aventurier? Je ne connais pas beaucoup de personnes de ta trempe, mais tu me plais. Je suis certain que tu serais parfait pour accomplir certaines missions. Des missions? Mais ce que je veux, c'est devenir un héros. Oh, pour devenir un héros, il faut un minimum de préparation. Accomplis les missions que je te donne et tu seras un héros débutant reconnu de notre splendide nation. C'est entendu, je commence par quoi? Tiens, tu trouveras toutes les informations nécessaires dans ce carnet de missions. Lis-le bien et si jamais tu le perds, je m'en ferai un plaisir de t'en redonner un. C'est parti, mission de devenir le héros de ma nation. Carnet de mission de Sufokia contient toutes les informations pour devenir presque le héros de Sufokia. Ok, putain le bordel. Jérôme vous a confié un carnet de mission, un livre très important pour devenir le héros de votre nation. Lisez bien, car toutes les informations les plus importantes y sont consignées. Appâter et vaincre les bouffes, tous les tofu. Retournez parler au guérant de votre nation une fois vos missions accomplies. Ça n'a pas l'air bien compliqué. On va lire. On va le mettre de côté, ça sera à quoi le perdre. Est-ce que je peux le lire? Utiliser. Oui. Comment devenir presque un héros de Sufokia ensoleillé? Phase 1, la préparation. Combattre et vaincre les bouffetous suspects en les attirant grâce à l'appât de bouffetous à sud-est de la prairie sur l'eau. D'accord. Combattre et vaincre les tofu suspects en les attirant grâce à l'appât à tofu au nord-est des jardins suspendus. Retournez, parler au Géror et passer à la phase 2. Ok, il y a combien de phases? Il y en a 3. Ok, donc première destination les amis. Combattre avec les bouffetous suspects en les attirant grâce à la pote à bouffetous au sud-est de la prairie sur l'eau. Alors, prairie sur l'eau. Prairie sur l'eau. Ça c'est le jardin suspendu. C'est là, la prairie sur l'eau. Et le sud-est. Donc le sud-est c'est tout est ici. Et il y a déjà. J'avais déjà débloqué un. Trago Express, donc on va le prendre. C'est bien, ils ont quand même rajouté beaucoup de quêtes, c'est beaucoup plus informatif et je préfère. Moi j'aime bien quand ça marche comme ça. Alors il faut trouver un quoi? Un appât. Tiens, j'ai ramassé du fer. Ramasse ton fer, l'ami. Ah, c'est juste en haut à gauche là. On est pas bien là, s'il faut qu'il y a, on trecouille. Juste vulgaire. Appât bouffetou. Examiner. Ah bah voilà, c'est excellent. Phase de placement. Où je suis-je? Ils sont niveau combien? Oh, je vais les fumer comment? Mettre là. A ton tour, mon petit Kaz. Allez hop, toi. Tu vas vite te coucher, mon ami. Ouais, par ici. Prochain. Alors, mon score, il va se faire avoiner assez rapidement, j'ai l'impression. C'est pas grave, il est là pour prendre des baffes aussi. Bon, il fait un peu de dégâts pour commencer. Hop. Je vais
essayer de bouger un peu, mais c'est pas gagné. Ceci. Mon chevalier d'Astrub, bah... Oh, je suis quand même assez content de leur mage, là. C'est une bonne surprise, là, quand même. Ce qu'ils ont... Tout ce qu'ils ont ajouté... pour les nations, tout ça, c'est quand même beaucoup plus clair. Hein. C'est chouette. Moi, je suis content. Franchement, je suis content. J'ai hâte de voir jusqu'où ça va m'amener. Donc, jusqu'où apparemment le mont Zénith. Hein. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais pourquoi pas. Flèche chercheuse. Non, flèche chercheuse. J'arrive pas à la sortir. Si, c'est bon. Ça, ça fait mal. Ça fait même très mal. Allez, mon petit scoreur, est-ce qu'il va tenir le choc? Est-ce qu'il va crever tout de suite? Non, j'ai pas l'impression, il va tenir, mais oui, c'est un gros dur. Il fait croire comme ça que qu'il est faible, mais non. Allez, il va se décaler un petit peu par là. Sort buffé, mon chevalier d'Astrub. Là, il peut rien faire. Tant pis. Ah oui, mais l'autre 6 barres dans l'autre sens, ça va pas le faire. Alors, si je me mets là, je pense que je peux le toucher, le finir et revenir en arrière. Mais oui, excellent. Voilà, allez mon petit case. Un petit trop lat quand même pour se déplacer plus vite. Comme ceci. Très bien. Et là on finish. Et j'aurais fait donc la première phase. Enfin une des parties de la première phase de mon de mon livre des héros là. Pour devenir un héros de ma nation. Sufokia. Alors on va lui sauter dessus. Et là je vais le finir. Ok. Est-ce que ça m'a validé cette première étape? J'ai rien looté. Ça m'a validé cette étape. Impater et vaincre les bouffetous. Les amis, je vous donne rendez-vous pour la suite. On continue à devenir le héros de ma nation, de Sufokia, sur Wakfu. J'en vous embrasse. C'était Kaz, à bientôt.